Hello tout le monde, on est aujourd'hui le samedi 23 octobre et il est bientôt midi déjà, mais en fait hier soir je me suis genre couchée vers 3h30 parce que j'avais commencé à faire le montage du vlog précédent, du coup enfin bref, voilà c'est pour ça, mais maintenant je vais partir, je vais aller petit déjeuner, bruncher, déjeuner, enfin bref, anyway, et je pense que je vais aller dans un Tim Hortons parce que c'est quand même le truc du Canada, du coup j'ai bien envie de tester. Et du coup petit programme aujourd'hui, donc là je vais aller dans un Tim Hortons et bah en fait à 14h j'ai pris un billet pour aller dans le musée immersif Van Gogh, Vincent Van Gogh, enfin bref. Et du coup bref, je voulais trop faire ça et je savais pas qu'il y en avait à Toronto et j'ai vu ça et du coup j'étais là, il faut que j'y aille, voilà. Et ce soir je vais faire un autre truc mais je vous en parle pas encore. Oh my god, j'ai trop hâte, c'est un de mes buts dans la vie, c'était de faire ça et bref, vous verrez. Du coup je vous emmène avec moi dans cette journée, c'est parti. Bon du coup j'ai pris en fait un hash brown, je savais plus que ça s'appelait comme ça mais bref, c'est une galette de pommes de terre. Là j'ai pris un muffin, genre avec un œuf, du fromage. Et là j'ai un cookie et je vais prendre aussi un, enfin j'ai pris un spice latte, pumpkin spice latte, mais il est pas encore là du coup, enfin bref, voilà, je vais manger tout ça. C'est la galerie d'art de Toronto. Genre il y a une file mais immense, c'est abusé. Moi je vais pas là, moi je vais plus loin. D'ailleurs j'ai rendez-vous à 14h et il est, je ne sais pas quelle heure, 13h20 peut-être. Du coup il faut que je me bouge un peu quand même. Mais du coup voilà. Et en fait hier, Oliver et Raja ils m'ont expliqué qu'en fait il y a un événement de comics. Du coup il y a plein de personnes qui sont genre en cosplay. Et ça doit être par là. Ça doit être dans le centre de convention là. Je pense que c'est d'ailleurs le week-end, je sais pas. Si je les revois, je leur redemanderai. Mais bref, du coup j'adore. C'est trop trop stylé. C'était sympa l'exposition de Van Gogh, franchement ça dure une demi-heure à peu près et plutôt sympa, ouais. Et puis bref, du coup là je vais marcher, je pense que je ferai ma douche quand j'arrive à mon Airbnb et comme ça sera fait pour ce soir
Et puis bah ce soir je vais faire le truc que je vous ai dit. Ah mon dieu, ça va être trop bien. Oh mon dieu, j'ai pris un accent marseillais. Il est 18h21 et je vais bientôt partir pour aller voir un match de basket. Mon dieu, genre c'était trop une chose que je voulais faire dans ma vie et du coup voilà, hier genre on parlait de ça justement avec Oliver et Raja et genre Oliver il a dit bah demain il y a un match de basket. Si jamais, voilà. J'étais là en mode ok. Et du coup hier soir quand je suis rentrée, bah genre je suis allée voir combien ça coûtait et bah j'ai pris un ticket, voilà. Et ça sera assez haut, mais anyway, ce qui compte c'est juste de voir un match de basket en fait. Bon du coup je vais laisser ma caméra ici, je ferai quelques petits plans avec mon téléphone et je vous balancerai ça, voilà. En tout cas n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, c'est important. Comme ça vous pouvez bien regarder mes stories. Vous voyez un peu le bordel derrière, voilà, c'est pas grave. Je vais vous laisser là, puis on se retrouve bah, au match de basket. Hello tout le monde. Bon, alors attention, tenez-vous bien. Nous sommes le 23 janvier 2022. Je sais, j'ai pas géré du tout. Je vous explique ce qui s'est passé. Bon, avant toute chose, je suis actuellement à Whistler depuis le 28 octobre, donc ça fait depuis un petit moment quand même déjà. Mais, waouh, je sais pas par où commencer, ça passe trop vite en fait, le temps passe une vitesse folle. Mais en gros le soir où je suis allée voir le match de basket, d'ailleurs c'était tellement bien, franchement c'était un de mes goals dans la vie et j'étais tellement contente d'y être allée. Pour vous expliquer vite fait, déjà vous avez vu deux plans différents quand j'étais au match de basket, un plan un peu plus proche du terrain et un plus haut. Alors je vous explique vite fait, donc le plan le plus haut, enfin la place la plus haute, c'était ma place officielle. L'autre place en fait c'est que j'ai rencontré Raja par hasard dans la rue, voilà, c'est un truc de fou. Et il était avec des amis, puis il m'a dit bah viens avec nous, et voilà. Et du coup au début j'étais à une place un peu plus près du terrain, et après bah la personne qui avait sa place officielle quoi, bah est arrivée, du coup moi je suis allée à la mienne quoi, et du coup c'était sympa d'avoir deux points de vue différents. Et franchement le point de vue haut, plus haut, était vraiment sympa. Bref, du coup voilà pour ça. Et ensuite, ce qui s'est passé après le match de basket, c'est que en fait j'ai rencontré deux jeunes de mon âge à peu près à la sortie de l'aréna quoi. Du coup bah je suis allée avec eux, après j'ai rencontré leurs amis, il y avait des filles, des mecs, enfin bref. Et après bah en fait pour tout vous dire, on est sortis en ville. On est allé boire un verre et tout, et au final j'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là en fait. Et le lendemain matin, j'avais mon train assez tôt pour Vancouver, voilà, le train que j'ai pris pendant 4 jours et dont je vous ai fait un résumé sur mon compte Instagram. Donc c'est très important d'aller sur Instagram, j'ai vraiment raconté plein de choses. Du coup bah voilà, c'est tout en fait, et je compte faire d'autres vidéos ici à Whistler. Mais le temps passe vraiment très vite. On est déjà le 23 janvier, genre, waouh, c'est un truc de fou. Mais voilà, bref, j'espère que ce deuxième vlog vous a plu. Et je reviens très vite pour de nouvelles vidéos. Et voilà, c'est tout. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao.